Vous voulez aller là-bas. Je vais bientôt accompagner le prochain groupe dans le théâtre. Un titre assez étonnant, mon cher. S'il vous plaît. Je crois que Corvus signifie corbeau. En masse, on n'entre pas. Enfin, veuillez revêtir votre gueule. C'est l'air qui était vraiment intéressant. Moi, c'est pour ça en plus un studio français qui fait un excellent jeu. Dans l'Antiquité, le corbeau avait la réputation de jouer des tours, comme le renard. Oh, Herman, vous êtes un. Pour une fois qu'on peut soutenir les jeux français. Tout le monde est prêt? Alors allons-y. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue à l'Alhambra Music Hall. Nous vous offrons ce soir, et ce soir uniquement, une représentation très spéciale de Corvus le Filou. Si certains effets peuvent se révéler assez perturbants, ne vous alarmez pas, cher public. Ne craignez rien, ce n'est que du spectacle. La représentation de ce soir est dédié au jeune homme qui l'a inspiré. Un ami très cher à mon cœur. C'est à lui qu'il faudra adresser vos réclamations. Jacob, mon cher, cette soirée est en ton honneur. J'admire son courage. Et... c'est bon pour ça. Regarde de quel côté. Que quelqu'un s'occupe de lui. Mec, il se fait pas du tout repérer en grimpant comme ça sur la balustrade. Ce soir. T'es toujours là, toi? La dernière fois, t'as manqué de nous empoisonner. Scène 2, tenez-vous prêts! On va essayer de passer par lui, le machiniste. Nous avons un volontaire. Vos applaudissements pour cet homme débordant de courage. Notre volontaire va mourir pour toi, Jacob. Ce valeureux gentleman, mesdames et messieurs, va se faire tirer dessus à bout portant sous vos yeux incrédules et ébahis. Notre talentueux tireur va disposer plusieurs cibles autour de sa tête. L'excitation est à son comble, n'est-ce pas? Notre spectateur en sortira-t-il indemne? Les Anglais sommes des gens hardis. Mettons cette hardiesse à l'épreuve.
Putain, par où je suis rentré tout à l'heure? J'arrive pas à redescendre sans m'accrocher. Ah, par là, je suis centré. Quel frisson! N'ayez crainte, mes amis, cela fait partie du spectacle. Restez avec nous pendant que nous préparons le prochain numéro. Eh bien, oublierais-tu tes principes, mon ami? La serveuse est juste là. Donc elle pourrait éventuellement m'aider. Ah mais merde! Où est-il? La traque de Yusuf. Le credo oublié. La proie en vue. Le goût du sang dans la bouche. Qu'est-ce qu'elle dit la serveuse? Pardon, trésor. Je cherche les commodités. Là-bas. Merci. Et j'y vois plus rien là. Trop sombre là. C'est bon. Le mec qui est censé être libéré, il est où? Il est là? Ouais, il est où? Moi, je libère. Si ce n'est pas Ross, ça laisse un goût étrange. Merde.
J'espère que vous avez apprécié cette soirée, mesdames et messieurs. Du moins autant que moi. Avant notre finale, j'aimerais rendre honneur à tous ceux qui sont venus nous rejoindre ce soir pour célébrer la vie et la mort. Allez, criez-les ! C'est à toi de jouer, Jacob, mon cher. Brûlez ! Brûlez ! Brûlez ! Il est vraiment maso, ce mec. Putain, c'est classe cette manière de buter. Mon ami, quelle soirée. Elle restera gravée dans l'histoire. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Quoi? Briser le cou d'un jeune corbeau entre mon pouce et mon index? Tailler en pièces des gens que tu dis innocents? Laisser au monde sa divine folie? Parce que j'obéis toujours à la même devise. Pourquoi pas? Ah putain, bordel, oh! Quel cauchemar! Et... en 90 secondes, il va falloir que je me dépêche alors du coup. Alors, comment je suis censé sortir? Pêche-toi, cours! Ça me boulait. Je n'en sortirai jamais vivant. Si, c'est bon. En moins d'une minute trente, c'est bon. Je pense que c'est bon. Là, j'ai pas mis une 30 là pour sortir.